On va parler de ce que vous appelez le mouvement. Mouvement. Je trouve qu'on n'a pas bougé bien, bien, fait que pas sûr qu'on peut appeler ça un mouvement. Pas si vous comprenez les mots que vous utilisez, mais ça mouve pas fort. Il en sait que des ballons. En carte qu'on a payé 40 piastres, qu'on savait pas ce qu'il y a dessus, hein? Parti populaire du Canada. Wouhou! Tabarnak! Je sais même pas c'est qui ce gars-là, mais ouais! Payé 40 piastres ma pancarte à montrer! Les manifestations avec des toilettes, des billets. Come on! Esti, rien ne nous empêche de faire ça, là. C'est bien cool si vous voulez aller une fois par mois, c'est comme un rave. Non, ouais. Ouais. Correct! Vous pouvez y aller, danser avec la meute. Avec Lamel Goyer et compagnie. Ça va être cool, là, tu sais, aller voir du monde que vous voyez sur Facebook. Mais c'est juste ça, c'est un party, là. Si vous pensez que vous faites quelque chose en faisant ça, si vous êtes légumes. Vous pouvez m'haïr tant que vous voulez, vous êtes juste des pas intelligents. Ça fait 2 ans, là, danser avec des ballons, cette petite bande de cons. Vous allez pogner des étiquettes pour rien. Comme ça, c'est une autre vidéo. Faites-vous quelque chose d'autre ou vous fiez là-dessus? C'est juste, comme par hasard, il y avait quelqu'un qui était prêt pour tout les genres de personnes, les couches de la société. Tout était couvert, là. Oh, man, c'est... Poum-poum! Là, on était comme déboussolés, mais on a pris ce qu'on nous présentait comme option, parce qu'il y avait juste ça. Puis les gens comme moi, au début, quand on a dit, ah, on s'est fait écraser tout de suite. Bloquez-lui! Bloquez-lui! Moi, j'ai posé des questions. Stéphane Blais, là, Guy Bertrand, là, c'est un franc-maçon, ça? Qu'est-ce que tu fais avec ça? Et là, il m'a jamais répondu. Je l'ai pas chassé, il m'a jamais répondu. Fait que là, je l'ai vu tout de suite, cette petite boîte. Un franc-maçon. Oh mon Dieu! Là, vous le savez, bande de légumes! Je continue, Rotary, Club Rotary. Moi, je suis dans le Club Rotary. C'est une loge bleue franc-maçon. Les Chevaliers de Colomb, les Clubs Lyon. C'est des loges bleues. Ils peuvent aller jusqu'au 4e degré. Puis après ça, ben, ils peuvent être continués s'ils veulent aller plus loin dans la franc-maçonnerie. Hein? Mais c'est des loges bleues. Mon coloc qui a acheté une maison, c'est un Chevalier de Colomb. Il a demandé, il dit Chevalier de Colomb, franc-maçon, c'est la même maudite affaire. Jusqu'au 4e. Et voilà! Ça vient d'un bonhomme, là. Roger, qui s'appelle. J'aimerais pas son nom de famille. Je sais même plus, de toute façon. Et Roger, il a dit, ouais, c'est la même affaire. Fait que je vais me fier à Roger. Pas vraiment à ce que j'ai lu. Je vais me fier à quelqu'un qui a laissé plein de revues de Chevalier de Colomb que j'ai gardées d'ailleurs. Puis j'ai des petits écussons là, avec des affaires de franc-maçon dessus que j'ai pogné dans ses coffres à outils qu'il a laissé, là. Il a laissé plein de trucs. Fait que il est fiable, le gars. Il fait du moonshine. De l'esprit. Avec des alambics. Un vieil alchimiste. Je peux croire ce qu'il dit. Puis de toute façon, je le savais déjà. C'est juste une confirmation de la bouche de quelqu'un. Puis ils aiment ça quand même, ils n'ont pas le droit de rien dire. Se montrer un petit peu, là, tu sais. Il y a beaucoup d'ego là-dedans. Fait que c'est ça, tu sais. Là, on était une petite gang que. Au début, j'étais tout seul. Je suis comme, ah, ça marche pas, les francs-maçons. Mais... Puis là, c'est ça, vous allez donner. Ah, wow! Et quand il venait de donner 100 piastres, l'autre 60. Hey, d'où? Tu malade? C'est qui ce gars-là? Puis là, j'ai essayé de communiquer avec ce monde-là avec des bons, des beaux projets. J'ai vite vu que je faisais pas partie de la gang. Puis quand j'ai posé des questions en public, comme à Alexis Kossak-Trudel, que son père, membre du FLQ, FLQ, c'est des francs-maçons. Hein? Vous saviez pas, hein? Ben, le père Alexis Trudel,
c'est un franc-maçon. Un membre du Parti communiste, quand il était dans un autre pays, je pense que c'était en France. Ou... En tout cas, j'ai tout ça sur ma... Venez me voir sur Facebook, posez-moi des questions. Pas en privé, j'aime pas ça, mais... c'est une publication, là. Posez-moi une question, je vais retrouver l'information. Quelqu'un qui lit la publication, là. On était un petit groupe. Fait que, bref, c'est ça. Au début, j'étais tout seul. Puis là, ça débarquait à coup de sang chez nous. Sans ce petit troll. Puis là, il m'insultait. Il riait de moi. Il bloquait. Toujours les mêmes formules. T'es jaloux. Je suis pas jaloux. Si je demande ce qu'il fait avec un franc-maçon. Qu'est-ce que j'ai de jalousie là-dedans, ce petit légume? Fait que, bref, je me suis fait comme. Écrasé. Bloqué de partout. Là, il faisait des posts là, avec tous leurs amis, comme Mireille Rose, qui dit à 1000 personnes là, qu'on a en commun, bloquer ce gars-là, c'est un troll, un raciste, un homophobe. Parce que je ris de elle, parce qu'un noir, je suis un raciste. Mangeons de la crise de marde, cette petite connasse. Come on, là. Les 80 gars blancs que je ris aussi, tu en fais quoi? Va chier. Fait que là, elle a fait ça, pis ben d'autres ont fait ça. Fait qu'il y a plein de monde qui pense que je suis un escave, un troll. Pis là, ils me bloquent, ou ils viennent en gang m'insulter. Menacent ma famille, hein, ben ouais. Mon ex-femme est obligée de mettre toutes ses affaires privées, là. Pis je peux plus avoir ni elle ni mes enfants dans mes Facebook. Parce qu'il y a plein de caves qui écœurent ma famille. C'est ça le mouvement! Quelqu'un pose des questions, il répond pas. On l'ostracise, on l'écrase. Puis on demande aux autres de le faire. Fait qu'ils font même pas eux autres mêmes. Ils viennent même pas eux autres mêmes répondre aux questions quand tu les questionnes. Eux autres, ils te bloquent. Puis là, ils envoient les gens faire leur job sale parce qu'ils sont trop pissous pour venir le faire eux-mêmes. Je suis là. Ils ont juste à venir. Vous faites leur job. Vous les défendez alors qu'ils sont même pas capables de se défendre eux-mêmes. Pourquoi? Parce qu'on a raison. Fait qu'à un moment donné, on était deux, puis trois, puis quatre, cinq, six, sept. Là, à un moment donné, j'étais plus tout ça. Hey, Dou, merci, t'as raison, je savais pas ça. Il y a des gens qui ont fait des liens. Là, tu postes une photo de grenier avec des trucs du Club Lyon. Après ça, tu postes avec, dans le même dossier, dans le même post, une photo d'une pancarte d'une ville où il y a un signe des Rotary, des francs-maçons, puis du Club Lyon. Là, tu postes. Puis là, les gens disent où tu vas en venir? Hostie, man, t'es pas capable de faire le lien entre deux photos. L'information de une est complémentaire à l'autre. Tu bois trop de fluor. Quel abruti. Fait que c'est ça. Mais si vous voulez continuer de les suivre, pis tout ça, ces gangs-là, allez-y. Mais faites quelque chose d'autre. Pour que le mouvement n'en souffre pas. Faut que eux, ce qu'ils font, ça devienne juste un amusement, mais que vous fassiez d'autres choses aussi. Il y a bien du monde, un Trump va me sauver. Ben ouais, es-tu venu? C'est de légume! Je vous disais à l'époque, tout ça, c'est du fake. Ça fait que fiez-vous pas à ça, mais vous pouvez espérer. Mais fiez-vous pas à ça, faites quelque chose par vous-même pour vous sauver vous-même. Fait que si vous voulez suivre la stagnation qu'il appelle un mouvement, allez-y, j'ai pas de problème. À côté, on fait d'autres choses, mais on fait quand même partie du même mouvement que vous le vouliez ou pas. Un mouvement, c'est un amalgame de gens qui vont dans la même direction, qui se battent pour la même chose. On n'est pas obligé d'être des amis. Moi, je vous aime pas pantoute. Je trouve que vous êtes capable de donner votre argent, puis vous tournez en rond. Fait que faites donc d'autres choses pour nous aider entre-temps. Fait que si vous avez raison, tant mieux, vous rirez de nous, mais éventuellement, vous allez voir que vous avez tort. Fait que commencez tout de suite à faire une alternative au cas où on aurait raison. Puis posez-les vous aussi ces questions-là. Puis quand on pose de quoi, au lieu de juste rire, regardez donc. Hein? Bloc. Ou insulte. Traite de toutes sortes de niaiseries. Moi, je vous attaque personne directement parce que je vous connais pas, puis vous êtes trompé, puis c'est tout.
Il y a bien du monde aujourd'hui qui sont de notre bord, puis ils étaient où vous êtes. C'est bien correct. Fait qu'accepter le fait qu'on existe, on va travailler chacun de notre bord dans le même sens, ça va donner quelque chose pareil, c'est ça un mouvement. Je suis pas obligé d'être ton ami, puis ça me tente pas d'être ton ami. Mais je veux quand même me battre pour mes droits puis les tiens. Sois pas dans mes jambes, aide-moi de quelque façon que ce soit, tout va bien aller. Fait que tu voulais aller danser avec des ballons aux 2 mois avec la meute, allez-y, sans problème. Donnez pas une crise de scène pour ça. Si vous revirent parce que vous avez pas payé, vous comprendrez pourquoi qu'on vous dit pas aller là. Sinon, ben allez-y. Ceux qui pensent comme nous, vous pouvez y aller aussi, participer à leur truc, puis amener des gens à participer dans les nôtres aussi. L'un n'empêche pas l'autre. Tant que les gens qui sont de l'autre côté restent honnêtes et pas obligés de les impliquer dans ce qu'on fait nécessairement non plus. Mais on n'est pas obligé d'être des ennemis. Parce que j'aime pas tes leaders, c'est pas toi. Toi, je te fais rien puis je t'ai rien dit. C'est eux autres que j'attaque. Fait que ferme ta calisse de gueule. Parce que si tu te retournes puis tu me fais chier, alors que je t'ai même pas parlé, tu es en tort. Fait que ton clown, la personne que j'insulte a juste à se défendre elle-même. C'est toi qui fais sa job, c'est peut-être parce que j'ai raison. Fait qu'entre-temps, un mouvement, c'est ça. Un paquet de gens différents qui pensent différemment, qui ont des habitudes de vie différentes, des façons de faire différentes, qui se dirigent dans une même direction. Il n'y a rien d'organisé. Un mouvement n'est pas organisé et encore moins hiérarchisé. Là, vous changez une forme pour une autre forme. Un système pour un autre. Parce que vous trouvez ça réconfortant de vous faire dire quoi faire comme des caves. Dans le fond, vous voulez pas vraiment la liberté d'être et de penser. Vous voulez quand même qu'on vous dise quoi faire. Vous vous dites des contestataires, mais vous êtes les pires conformistes qu'il n'y a pas. Parce que vous continuez de vous conformer à l'idée de quelqu'un. Qui a dit que cette personne-là était mon leader et que j'y devais quoi que ce soit et que je devais suivre qui que ce soit? Là, vous écoutez une télé-réalité, hein? Ah, oh, des bye-bye, toi! C'est un tabarnak! Ah! On fait la révolution, on fait des bye-bye! Tout se montrer au système. Regardez, c'est nous autres qui essayent de vous faire tomber. Moi, je m'appelle si pis je fais ça. Asti, que vous comprenez rien. Vous êtes abrutis en calvaire. L'hypnose de masse, c'est vraiment, vraiment efficace. Et les éveillés, sont encore plus profonds que les autres. Des fois, les moutons, je les trouve moins imbéciles. Tabarnak! Éveillé, toi! Où t'es où? Vous êtes même pas réveillé! Encore moins éveillé! Qui est un processus évolutionnaire, psychologique, évolutif. Alors, en tout cas, je me rappelle plus trop du terme complexe. C'est plus long que ça, mais bon. Fait que non, vous êtes pas des éveillés pantoute, vous dansez avec des ballons avec la meute. Prenez le temps de lire ce qu'on pose au lieu de nous insulter, cette crise de cave. Qu'est-ce que vous pensez que ça nous apporte de tout être un contre 100? On le fait parce qu'on n'a pas le choix pour que quelqu'un le dise. À partir du moment où tu le sais, prends ta décision puis calisse-moi la paix. Cette information-là, c'est pas de ma faute. C'est pas moi qui l'a faite. Je suis pas coupable des trucs qu'ils ont fait dans leur passé puis que je te montre. C'est pas à moi de manger la merde pour quelque chose que les autres ont fait parce que t'as une hostie dissonance cognitive, tu viens à vomir chez nous. Je te dois rien, tabarnak. Je dois rien à personne. Puis je suis pas dans le mouvement. Je suis ailleurs. Avec d'autres mondes, on fait d'autres choses puis... Nous autres, on avance. On bâtit des trucs.
Vous autres, vous suivez une télé-réalité, vous allez danser aux deux mois. Tu peux aller danser, mais quand t'es allé danser avec tes ballons, le lendemain, tu fais quoi? Tu retournes sur Facebook, à regarder les lives des mêmes personnes qui disent la même crise de marde, dont tout le monde sait déjà. Puis là, ils se crossent l'ego entre eux autres. Ils demandent l'argent. J'ai des extraits vidéo, plein d'affaires que je montre aux gens. Des gens du monde précis qui disent, qui sont payés pour dire ce qu'ils disent. Si t'es payé pour dire ce que tu dis, c'est quelqu'un qui te paye. Cette personne-là, elle te met un carcan pis tu peux pas dire des choses que cette personne-là aime pas parce qu'elle te paye. Comprenez-vous ce concept-là, à cette petite bande de cave? Sur ça? Non, j'arrête-tu? Ou j'arrête pas? Faites des cellules, faites votre truc dans votre petit groupe familial, votre groupe d'amis. Préparez-vous à être capable de résister si jamais... Trouvez-vous des façons de manger même si vous ne pouvez pas aller à l'épicerie. Des choses comme ça, pour qu'on soit pas pris avec vous autres quand la merde va prendre, que vous n'aurez aucune alternative. Puis vous allez avoir des tickets à payer, là, par exemple. Aussi, à 1 500 $, dans 6 mois, 1 an, là, ils vont venir te chercher chez vous. L'étiquette que t'as poignée au sit-in pour rien, il va tenir ta mort de cul. Pour que tu fasses de la prison. Je suis pas sûr si ça tente. Pas si pire, la prison, en passant. Pas si pire, en doute. Rien de peur en là-dedans. C'est plus que... S'il y a personne qui s'occupe de tes affaires pendant que t'es pas là, ton chat, ton poisson, ça c'est un peu moins drôle. Ça on prend pas bien le fun dans ces affaires-là. Ils te donnent pas de chance de te retourner de bord, pis non, ton poisson il va mourir là s'il décide que tu peux pas appeler personne. Parce que même si t'as des droits, quand t'es là-dedans, tu n'as plus des droits. Tu peux te débrouiller après pour les poursuivre, pour les méfaits qu'ils t'ont fait, mais... Croyez-moi, les petits clowns qui vont en prison à gauche puis à droite là, dans le mouvement, ils... je pense pas qu'ils triperaient. Ben, c'est pas si pire si t'es prêt, mais la détention en attendant d'être libéré, c'est pas confortable. Pantoute! Oups, j'aurais pas d'accrocher ma lumière. Personne veut aller en prison, mais j'y suis prêt. Dépend toujours des conditions dans lesquelles... pourquoi t'es là? Moi, j'ai été là pour quelque chose qui était pas bien vu, fait que... j'y ai goûté. Et quand tu dors sur tes souliers sales, puis il fait frais, puis t'as une grosse crise de lumière pour faire pousser du pot à 2 pouces de tes yeux qui te traversent les paupières, et ainsi de suite... En attente, là c'est arrivé là, le vendredi, faut que tu passes le samedi, le dimanche, pour passer en cours le lundi, rencontrer un juge le lundi. Mais déjà arrivé ça, des fausses accusations, puis c'était faux, j'ai gagné, mais j'ai quand même passé ça. J'ai pas trouvé ça très agréable. Si je suis pour aller à plus long terme, j'ai aucun problème, c'est même confortable. Il y a des livres, là, tu peux demander des affaires, puis... Échappe pas ton savon, tu te laves pas trop souvent. Je dirais, ces gars-là, ils actent comme si c'était cool là, dans la prison. Là, la citoyenne. Il y en a un hier dans le chose de sit-in, ou vraiment hier. Ah, 6 000 $. Ouais, oui, Chris de Mongol. Il est là tout fier de pogner 6 000 $ d'étiquette. Chris de con, man. D'après moi, t'es pas con pis tu fais ça pour dédramatiser pour que les autres aient pas peur d'en pogner pour 6 000, les autres aussi. T'es doit être un crosseur, toi. T'as l'air d'un crosseur en plus. Fait que c'est ça, un mouvement, c'est pas ce que vous pensez. C'est pas une gang. C'est pas un groupe. Un mouvement, c'est tout plein de monde partout.
que tu connais, que tu connais pas, que tu sais, que tu sais pas. Ils font des choses dans un but précis, puis toi aussi, puis on avance dans une direction, puis éventuellement, on va tous se retrouver sur le terrain, quand ça va être le temps de sortir dans les rues, à un moment donné, 7 milliards de personnes, on sortira tout ensemble. Entre-temps, fais ton affaire, va danser avec des ballons nos 2 mois, mais s'il te plaît, fie-toi pas juste à ça. Parce que comme Trump, que comme du monde me disait il y a 2 ans, fie-toi sur moi, si tu vas voir les dominos, man, si... Ah ouais... Les dominos! Les dominos, les bornes à l'aimo! Les dominos, ils ont jamais tombé, ils tomberont jamais. Fait que c'est la même chose ici, là. Les farfadets, c'est notre QAnon, c'ti. Ils vont. Ouais, potum! Fait que si vous voulez tomber dans ce panneau-là, tombez pas juste là. Tu sais, c'est comme une émission de TV, tu sais, un tel roman, vous écoutez ça. Un genre de télé interactive, hein, télé-théâtre ou théâtre communautaire interactif. Allez-y, jouez ce que vous voulez jouer. Puis quand fermez votre Facebook, faites votre vie. Puis faites des choses constructives. Dans le but de changer le monde. Toutes sortes de façons. J'ai attendu à 85 vidéos là, qui donnent plein d'idées. Fait que j'avais pas d'excuses. En 2 ans, vous n'avez pas bougé pantoute. Dans 2 ans, vous n'aurez pas bougé pantoute, puis ça va être de moins en moins drôle, la roue tourne. Puis là, vous allez commencer à pédaler à un moment donné. Mais si vous faites rien pour vous aider, on va vous virer à coups de pied. Ça, c'est quand quelqu'un, quand un sauveteur, quand quelqu'un vient, qui va le sauver, puis essaie de te caler avec lui, sans te pioche, si tu l'envoies au loin, pour pas caler toi aussi. Soyez donc pas la personne quoi qui en a à faire ça. Soyez pas un boulet pour les autres. Passez votre chemin si quelque chose que quelqu'un dit fait pas votre affaire. Votre opinion, on s'en calisse. C'est pas constructif, c'est juste du négatif. Ça n'aide personne. Questionne-toi pourquoi est-ce que ça me dérange autant? Aurait-il raison? Est-ce que j'ai pris le temps de lire ce qu'il a dit? Arrêtez d'être des légumes, s'il vous plaît. C'est le temps d'avancer. Fait que dansez avec vos ballons, le lendemain, venez-vous-en que nous autres travailler comme du monde. Remarquez qu'on ne manque pas d'argent. On n'a pas de leader. Il n'y a une personne. On est tous des gens qui pensent par eux-mêmes et qui, par la force des choses, se ramassent à marcher sur le même sentier ou des sentiers parallèles où on peut... Hey, dude! On pense pas tous pareil. On sait qu'on n'est pas tous au même niveau d'éveil, disons. De réveil, de taux d'allumage. Fait qu'on est prêt à expliquer un peu pourquoi on est de même. On le fait, pis c'est cool, tu sais. Y'a des gens qui jouent un peu sur la ligne entre les deux. Ça me dérange pas trop, je fais pas trop confiance à personne. Je fais rien qui. Je dis rien, pis je montre rien qui peut me faire du tort. Fait que c'est correct. Puis, tu sais, éventuellement, on n'aura pas le choix de dealer tout ensemble. Fait que ceux qui séparent le mouvement, c'est ceux qui disent qu'on le divise. Parce qu'ils nous mettent eux-mêmes dans une catégorie à part alors qu'on fait partie du même groupe. Que même chose pour les religions. C'est l'interprétation du même Dieu de plusieurs sortes de façons. Mais les fondements sont les mêmes. Le combat est le même. Tu sais, la gauche, la droite, tout ça, la séparation, l'autre, le chaos, vous faites la même affaire. Acceptez que je pense pas comme vous autres. Posez-vous la question, savoir pourquoi ils pensent comme ça, y a-tu raison? Et continuez ce que vous faites de votre bord, parce que... Mais moi, je ne vous attaque pas personnellement, à moins que vous essayiez, soyez attaqué à moi
d'avance parce que vous avez pas aimé quelque chose que j'ai posté, vous voulez me donner de la marde. Donnez-moi de la marde une fois, je vais vous répondre, bing banang, c'est fini. Mais si tu continues, là, à un moment donné, je vais m'écœurer, je vais faire des mimes sur toi. Puis là, je vais me mettre à faire des, peut-être une vidéo, un épisode de Psy-Hop Academy. Puis, tu sais, je veux dire, si tu pousses, je vais pousser. Laisse-moi patience. Tu peux me dire que t'es pas content. Même si je m'en calisse, mais je crois au droit de s'exprimer, là, liberté d'expression. Mais j'ai aussi le droit de t'envoyer chier. J'attaque pas les personnes, j'attaque la façon de faire. J'attaque les personnes qui sont en haut, qui causent ce que je dénonce. Ça oui, je me gêne pas. Ceux en bas, non, c'est ce qui est en haut que j'attaque. C'est votre démarche que j'attaque, et non vous, en tant que personne, à moins que vous m'attaquiez moi, parce que c'est toujours la réponse. On défait jamais mes idées, on défait jamais ce que je dis, parce que c'est des faits, des preuves tangibles. Et des liens qui doivent être faits entre plusieurs affaires qu'un singe pourrait faire. Fait que faites votre truc de votre bord, n'est pas nous écœurer chez nous. Gardez votre dissonance cognitive. Si vous pognez les nerfs après nous autres, parce qu'on a peut-être raison. Puis ça vous fâche. Parce que vous avez investi beaucoup de temps et d'argent dans tout ça. Beaucoup d'émotions. Et vous avez fait des amis qui sont peut-être des crosseurs. Fait que c'est ça. Pas grand chose de plus à dire. Fait que vous vouliez ou non, on fait partie de nous autres aussi du mouvement. Le mouvement, il est divisé juste si vous dites qu'il est divisé. Remarquez que c'est toujours des affaires qui viennent de vos leaders, puis toutes des formules là, que vous répétez toute la gang, la même affaire, hein? La même chose! Il est super ok, man! Ouais. Bon, je vais arrêter là. Sur ce. Yeah.